Bonjour. Cette semaine, nous avons reçu un signal inquiétant. D'après la mise à jour de nos modèles, nous avons constaté que si nous n'agissons pas tout de suite pour endiguer ces tendances, nous pourrions d'ici la mi-octobre enregistrer 1 000 nouveaux cas par jour, avec 200 à 300 personnes par jour arrivant dans les unités de soins intensifs de nos hôpitaux. En fait, il y a aujourd'hui 730 nouveaux cas. Nous sommes dans la deuxième vague de la COVID-19. En tant que Premier ministre, c'est mon devoir de protéger la population. Depuis le début de la pandémie, nous avons pris des décisions difficiles mais nécessaires, toujours fondées sur les conseils éclairés des médecins et les données probantes scientifiques. Après consultation du médecin hygiéniste en chef et de la table des mesures de santé d'autres experts en santé, nous allons imposer de nouvelles restrictions en santé publique afin d'endiguer la propagation du virus. À compter de demain à 12h01, nous allons élargir l'imposition du port du masque déjà en vigueur dans certaines communautés à l'ensemble de la province. Il sera donc obligatoire de porter un masque dans les transports en commun, au magasin et au travail si vous ne pouvez pas observer une distance de 2 mètres par rapport aux autres personnes. Nous devons en outre limiter les contacts étroits dans la mesure du possible avec les personnes étrangères à votre foyer, tout particulièrement alors que nous envisageons l'action de grâce la fin de semaine prochaine. Nous devons également prolonger la pause de la réouverture de tout autre établissement pendant 28 jours. Et nous mettons en place de nouvelles mesures ciblées pour les points particulièrement préoccupants. Ottawa, Toronto et la région de Peel. À compter de 12h01, les restaurants, bars et boîtes de nuit à Ottawa et à Peel doivent limiter leur capacité à 100 clients ou moins. Le service de santé publique de Toronto a déjà décidé de décider la capacité à 75 personnes, avec au maximum 6 personnes par table. Les coordonnées de chaque client doivent être recueillies pour le dépistage des contacts. Dans le cas des gymnases et autres lieux de conditionnement, les classes d'exercice en groupe seront limitées à 10 personnes et l'établissement doit limiter sa capacité à 50 personnes ou moins. Pour les salles de banquet et d'événements, une limite de 6 personnes par table est désormais en vigueur et une limite de 50 personnes dans l'établissement. La situation est grave. Nous devons offrir tout notre soutien et prendre toutes les mesures nécessaires pour aider notre système de santé à résister à cette deuxième vague. À cause du temps plus froid, les gens passent plus de temps à l'intérieur, d'où une aggravation de la deuxième vague. Nous ne voulons pas que les gens attendent au froid, dans la pluie, la neige pour obtenir un test. Nous annonçons des changements pour aider les centres d'évaluation à se préparer à l'hiver. À compter de mardi 6 octobre, tous les centres d'évaluation recevront sur rendez-vous seulement, afin que nos centres d'évaluation puissent apporter les ajustements nécessaires pour adapter leur fonctionnement à l'hiver. À compter de dimanche 4 octobre, les centres d'évaluation ne recevront plus de personnes sans rendez-vous. La grande majorité des centres d'évaluation en Ontario continueront d'offrir des rendez-vous tandis que nous réalisons cette transition. Si vous avez déjà pris un rendez-vous, ne vous inquiétez pas, il sera tenu. En outre, jusqu'à 80 pharmacies en Ontario continueront de proposer des tests sur rendez-vous. Un plus grand nombre de pharmacies proposeront encore des tests au cours des semaines à venir. Pendant la transition, les centres d'évaluation saisiront l'occasion de procéder à un nettoyage en profondeur. Ceci donnera également aux laboratoires une occasion importante de liquider les arriérés de tests. Ces éléments sont essentiels. Pouvoir prendre un rendez-vous est un facteur de certitude. Les gens ne seront plus obligés d'attendre dehors pendant des heures. Le dépistage nécessaire aura lieu pour s'assurer que ceux qui ont besoin d'un test puissent en recevoir un. Et cela nous aidera à faire en sorte que vous puissiez recevoir vos résultats rapidement. Nous travaillons avec nos partenaires dans les hôpitaux et les centres d'évaluation afin d'assurer que cette transition au test sur rendez-vous se passe aussi bien que possible. Mais je dois vous demander votre patience au fur et à mesure que ces changements sont réalisés. Il se pourrait que vous deviez attendre quelques jours pour prendre rendez-vous pour votre test au début, mais nous travaillons aussi fort que possible pour limiter ces délais. Nous allons adopter les toutes dernières technologies et méthodes de test afin de nous permettre de tester plus grand nombre de personnes plus rapidement. Je tiens à vous assurer que toute l'équipe de Santé Ontario, les hôpitaux, le personnel de la santé publique travaillent très fort et je dois vous dire
que je suis tout particulièrement reconnaissant du fond du cœur aux techniciens de laboratoire incroyables. Merci à tous ceux qui travaillent infatigablement, 24 heures sur 24, depuis des mois, sans interruption, pour faire en sorte que nous puissions continuer à tester les gens jour après jour. Ces gens-là, ce sont des héros inconnus. C'est grâce à eux que nous avons pu réaliser plus de tests que le reste du Canada mis ensemble. Si vous connaissez un technicien de laboratoire, remerciez-le pour tout ce que lui et ses collègues ont fait. En les soutenant, collaborant, nous pouvons assurer la sécurité de chacun et réaliser un revirement dans cette bataille. Que Dieu bénisse la population de l'Ontario. Merci, Monsieur le Premier ministre, et bonjour. La protection de la santé et du bien-être des Ontariens est la priorité de notre gouvernement depuis le tout début de cette pandémie. C'est notre devoir envers les gens de cette province. Comme le Premier ministre vient de le dire, nous assistons à un nombre croissant de cas positifs et nous devons agir pour inverser cette tendance et assurer la sécurité des Ontariens. Pour ce faire, nous devons prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Le port du masque à l'intérieur si la distanciation physique n'est pas possible, la limitation des contacts étroits aux personnes dans notre foyer et l'imposition de limites aux bars, aux restaurants, aux gymnases et aux salles de banquet, ainsi que l'instauration de lignes directrices supplémentaires pour les personnes âgées afin de limiter le risque de contracter la COVID-19, y compris pour les rencontres annuelles comme l'action de grâce ou le jour du souvenir qui approche. Ce sont des mesures qui nous permettront d'aider à éviter la propagation du virus. Nous avons reçu une lettre de la médecin hygiéniste en chef de la ville de Toronto demandant ces mesures qui se fait l'écho des revendications d'un grand nombre d'autres unités de santé publique dans la province. Nous collaborons étroitement avec la ville ainsi qu'avec tous nos autres partenaires dans le domaine de la santé publique pour répondre à leurs préoccupations. Nous prenons des mesures importantes pour faire en sorte que chaque personne qui doit subir un test puisse le subir rapidement afin de ne pas devoir attendre longtemps pour recevoir un diagnostic. Le passage aux tests sur rendez-vous, la généralisation des centres de tests afin de rejoindre les populations vulnérables et l'accroissement encore plus important de nos capacités de laboratoire. Voilà les mesures qui vont nous permettre de repérer plus rapidement les nouveaux cas et d'endiguer la propagation de la maladie. Ces mesures nous permettront de nous protéger les uns les autres. Les enjeux sont importants. Nous devons prendre ces mesures très nécessaires pour protéger notre économie, pour protéger nos écoles, et pour faire en sorte que chacun puisse continuer à gagner sa vie. La réalité, c'est que ces mesures sont nécessaires pour protéger la santé et le bien-être des Ontariens et bien sûr pour empêcher des confinements ultérieurs. Je tiens à souligner encore une fois la nécessité que chacun continue de suivre les conseils de santé publique. Restez à la maison lorsque vous n'êtes pas bien. Continuez de pratiquer la distanciation sociale. Portez un écran lorsque la distanciation sociale est impossible ou difficile. Rappelez-vous de vous en tenir aux limites pour les réunions. Lavez-vous les mains fréquemment et de manière approfondie. Voilà encore et toujours les meilleures méthodes pour arrêter la propagation du virus et nous protéger nous-mêmes, nos familles, nos amis et nos voisins. Merci. Et voilà, avant de commencer la période des questions, nous avons vécu beaucoup de choses pendant cette pandémie. Nous avons toujours pu surmonter les situations avec une province de 14,5 millions de gens qui rament dans la même direction. Mais je voudrais remercier les membres de notre équipe. Le docteur Williams a joué un rôle incroyable. Lui aussi travaille jour et nuit. Le docteur Heyer, ou le docteur Dirk, comme je l'ai parfois appelé, un médecin exceptionnel. Vous m'avez entendu parler d'un certain Matt Anderson pendant très longtemps, le chef de la direction de Santé Ontario. Ça, c'est un vrai champion. Il y a une seule erreur que Matt a commise pendant toute cette pandémie. Lorsque nous l'avons embauché, peu de temps après, la pandémie est arrivée. Je ne sais plus exactement le calendrier, mais je suis sûr que ce n'était pas pour ça qu'il devait postuler. Il a commis une seule erreur. Il m'a donné son numéro de portable. Une fois qu'il m'a eu donné son numéro de portable, c'était une grave erreur parce que je lui téléphone le samedi, le dimanche, tous les jours. Mais il est un véritable champion, la raison pour laquelle le nombre de tests augmente
la raison pour laquelle notre surveillance est renforcée avec la santé publique, le docteur Burke et Matt qui animent ce projet. Je suis particulièrement heureux d'avoir quelqu'un d'aussi solide comme ministre de la Santé, la première ministre adjointe du Canada, qui a été incroyable, qui a été à mes côtés chaque jour. Je voudrais remercier donc toutes ces personnes. Et puis, il y a des centaines de professionnels derrière eux qui font partie de leur équipe, leurs associés, leurs collègues avec lesquels ils travaillent chaque jour, médecins, techniciens, épidémiologistes et tous les autres membres de leur équipe. Nous avons une équipe très, très solide en Ontario et je voulais le dire à tous. Je vous suis reconnaissant. Merci beaucoup. La première question est posée par Vince Cravick de CBC News. Monsieur le Premier ministre, on m'a dit que votre cabinet avait été saisi d'une proposition de déclarer un système de zones à code couleur afin de déterminer clairement le niveau de risque de la COVID-19 dans les différentes régions de la province. Ce serait un système semblable à ce qui existe au Québec avec rouge, orange, jaune et vert. Et vous avez eu un entretien avec le Premier ministre Legault au sujet de ce genre de système. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas adopté ce système, puisque cela communiquerait très clairement aux gens ce qu'ils devraient faire par rapport à ces changements ponctuels aux restrictions? Eh bien, j'en ai parlé au Premier ministre Legault, oui. Il a dit que cela prête à confusion pour le public. On est toujours en train de modifier les couleurs et puis bon, on a franchi les différentes étapes. Maintenant, les zones, les points chauds que nous travaillons, c'est évident qu'Ottawa, Toronto et la région de Peel, ça, ce sont les points chauds. Donc, le Premier ministre m'a dit que ça ferait de la confusion. Il y a des changements de couleurs tous les jours. Les gens se demandent quelle couleur c'est, quelle couleur chaque jour. Donc, nous simplifions. Et nous travaillons sur les points chauds. Les arriérés d'analyse de tests. Il y aurait plus de 90 personnes qui attendent le résultat. Dans quelle mesure cela est-il acceptable et qu'allez-vous faire immédiatement pour limiter, liquider ces arriérés? Excellente question. Avant de donner la parole à Matt Anderson, je dois vous dire que c'est nous, j'ai toujours dit que nous allons être totalement transparents, c'est nous qui avons annoncé cette information pour faire passer le message aux gens, Mike, que il faut qu'on travaille tous ensemble. Si vous ne présentez pas de symptômes, nous vous demandons, n'allez pas subir un test. Je vais vous donner un exemple, Mike. Bon, les petits joueurs de hockey, que Dieu les bénisse, je les adore, mais on m'a dit que deux équipes en équipement, entièrement équipés, se sont présentés. Aucune n'était malade, mais voulait simplement recevoir un test. Alors, que Dieu les bénisse, c'est bravo. Mais on ne peut pas faire ça maintenant. Les arriérés de test, on les a annoncés pour dire aux gens qu'il faut qu'on se rattrape. Donc, encore une fois, félicitations à ces techniciens. Écoutez, il y a un nombre limité de techniciens de laboratoire en Ontario. Et il y a une quantité limitée de réactifs dans le monde. Et à l'heure actuelle, nous éprouvons une difficulté, mais je suis absolument convaincu que Matt Anderson et les techniciens de laboratoire vont rattraper les arriérés dans les autres domaines dont vous m'avez entendu parler constamment. Les tests rapides vont vraiment changer la donne. Le test à domicile, si vous voulez, il y a plusieurs compagnies, Abbott étant l'un des leaders. Nous espérons. Je sais que le Premier ministre du Canada, je lui ai parlé deux fois depuis quelques jours. J'ai parlé à tout le monde a fait de son mieux pour faire progresser les tests. J'ai parlé à la première ministre adjointe. Donc, imaginez-vous, si nous pouvions réaliser ces tests en auto-évaluation, ces tests rapides, ça serait le jour et la nuit. Ceux qui ont été approuvés l'autre jour chez Abbott, cela va nous aider, oui, mais ce n'est rien comme ces tests rapides. Alors, Matt Anderson, je vous donne la parole.
Merci Mike pour cette question. Merci pour ça. Oui, je peux confirmer que le Premier ministre me téléphone le samedi, le dimanche, ainsi que le lundi et tous les autres jours à toute heure du jour. Personne dans la province n'est plus décidé à accroître notre capacité de test que notre Premier ministre, je puis vous le dire. Pour répondre à votre question, et pour ajouter un détail, le Premier ministre a très très bien répondu déjà. Songez à nos 90 000, à notre arrière, nos arriérés de 90 000 tests. Bon, un petit peu de contexte. Vu l'ampleur de notre réseau, on s'attendrait à ce que ce chiffre soit plutôt environ 25 000. Donc, c'est à peu près 65 000 tests que nous devons rattraper dès que possible. Et cela se produira de deux façons. D'abord, nous allons mettre en ligne davantage de fournitures, c'est-à-dire davantage de capacités de laboratoire. Nous travaillons avec d'autres provinces, nous travaillons avec le secteur privé, nous passons en revue les installations de recherche des universités. Je vais voir s'il y a une capacité supplémentaire qu'on peut mettre en ligne. Ne fût-ce que 5 000, 7 000 tests par jour, ça fera une grosse différence pour nous dans l'avenir. Je puis également me faire l'écho de ce que le Premier ministre a dit. Nous demandons également à ceux qui n'ont pas besoin d'un test de se rendre un peu de retrait pendant quelques temps, de laisser les autres, ceux qui veulent être testés ou qui appartiennent à des populations vulnérables comme les aînés, nous allons les tester. Mais il y a l'offre et la demande et nous travaillons sur ces deux tableaux. J'ajoute, pour rebondir sur le commentaire du Premier ministre, qu'il y a de nouvelles technologies qui s'en viennent. Nous sommes vraiment emballés, mais il s'agit de mesures qui se surajoutent à notre infrastructure existante. Le test à antigène, dont le Premier ministre a parlé, dit que ça changera la donne et il a raison. Cela met en jeu une toute nouvelle infrastructure à laquelle nous n'avons pas accès et nous allons pouvoir aller de l'avant avec nos tests, ce qui va soulager la pression s'exerçant sur notre réseau de base. Sans doute faudra-t-il attendre quelques semaines. Nous instaurons davantage de capacités dans notre réseau traditionnel. Nous continuerons de le faire progressivement au cours des mois à venir. À l'heure actuelle, nous avons un défi. À l'heure actuelle, nous tâchons de le relever en apportant davantage de fournitures et nous vous demanderions d'aider au niveau de la gestion de la demande. La question suivante est posée par Brian Lilly du Toronto Sun. Monsieur le Premier ministre, j'admets que je suis plongé dans la confusion par les différentes recommandations. Hier, le docteur Heyer affirmait que les restaurants ne représentent pas une source importante de transmission de la COVID-19. Il y a l'association hospitalière qui préconise de fermer les salles à manger à l'intérieur. La docteure Devila à Toronto affirme qu'il faudrait fermer les restaurants intérieurs. Et aujourd'hui, vous annoncez de nouvelles restrictions. Je m'efforce de comprendre pourquoi on s'intéresse tellement aux restaurants. Si le docteur hier disait que ce n'était pas une préoccupation importante, que direz-vous aux gens qui affirmeront, ah, il faudrait fermer ça dans toute la province immédiatement? Je vais donner la parole au docteur Heyer lui-même. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas comment vous avez reçu ce message. Ce que j'ai dit hier, c'est que les restaurants de Toronto sont un facteur important selon la santé publique de Toronto. Des 49 éclosions qui ont été examinées entre le 20 et le 30 septembre, 39% étaient attribuables à des restaurants et dans ces catégories, on s'inquiétait de la collaboration de diverses personnes dans des milieux différents. Donc, quelqu'un pourrait donc avoir des interactions avec différents collègues. Et puis, les 25% de ces personnes avaient des contacts sociaux par la suite avec des membres de différents groupes. Et puis, on s'inquiétait également de la façon dont les mesures de santé publique étaient observées. Donc, je crois que ça s'aligne sur les recommandations des mesures de santé publique, selon mon interprétation. Et cela s'applique donc au personnel et aux clients. Donc, c'est ouvert à davantage de clarifications du docteur Williams. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, docteur Dirk. Nous avons demandé conseil des autorités dans les trois zones, dans les trois points chauds,
Comme le docteur Hyde l'a noté, il y a eu des flambées, des éclosions reliées à des établissements comme les restaurants. Au début, c'était entre les membres du personnel, et puis plus récemment, c'était les clients. Donc, nous avons instauré ces recommandations, d'abord afin de diminuer l'encombrement, de protéger la distanciation sociale. C'est pourquoi nous avons réduit à 100 pour les trois zones. Cela ne signifie pas que les municipalités locales ou les médecins hygiénistes locaux ne peuvent pas accentuer ces mesures. Comme vous l'avez vu à Toronto, le Premier ministre l'a dit, nous sommes passés à 75. Beaucoup d'installations ne peuvent pas même gérer cela, même avec 75. Ça dépend de l'infrastructure. Il faut avoir 6 personnes par table, une distance de 6 pieds ou 2 mètres, masque à l'entrée et à la sortie, rester à sa table. Nous essayons donc de gérer tous ces aspects qui sont reliés à l'impact sur le comportement social du public, surtout dans les points chauds où ce genre d'activité est en constante augmentation et nous constatons une augmentation des chiffres à Toronto. Parfois, on a l'air de dire que ça double tous les 2 jours, donc il faut tâcher de réduire les possibilités et de propagation et de faire en sorte que tout le monde continue de travailler fort, comme presque tout le monde le fait déjà, pour aplanir la courbe de cette deuxième vague dès que possible et contribuer à tous les autres aspects du projet de lutte. La docteure De Villa, dans sa lettre qu'elle vient de publier, adressée à vous, docteur Williams, elle réclame l'interdiction des restaurants en salle pendant toute la province, l'interdiction de quitter le domicile sauf pour les déplacements essentiels et d'interdire les sports d'équipe et les sports en salle. Est-ce qu'il y a des données probantes à l'appui de ces préconisations? Est-ce que vous allez publier ces données probantes? Ce qui est frustrant, c'est que ces décisions sont prises et le public n'a pas connaissance des données à l'appui de vos mesures. Les mesures qu'elle recommande, est-ce qu'elles sont soutenues par des données et est-ce que vous allez continuer de est-ce que vous allez continuer donc d'en tenir compte dans les mesures que vous prenez, y compris aujourd'hui? Alors, pour clarifier, j'ai parlé à la docteure De Villa, j'ai reçu sa lettre, elle recommandait ces mesures pour son ressort. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas parler au nom de Peel et d'Ottawa et d'ailleurs, mais elle estimait qu'en raison de l'augmentation des chiffres dans son ressort, elle souhaitait que des mesures encore plus étendues soient prises. Elle estimait qu'elle disposait des données pour les étayer. Les activités de groupe, les centres d'événements comme les gymnases, elle a vu des cas dans d'autres groupes de sport, ce que nous n'avons pas vu dans le reste de la province. C'est l'un des défis, c'est que la situation n'est pas uniforme dans la province. Donc il y a des points chauds à l'heure actuelle où 70-80% des cas se présentent chaque jour. Toronto représente un peu plus de la moitié de l'ensemble des cas. Ce sont les lieux qui sont le plus préoccupants. Nous prenons ces recommandations au sérieux. Nous avons demandé des données probantes que nous allons recevoir. Voilà ce qu'elle souhaiterait que nous envisagions pour son ressort, la ville de Toronto, mais elle a déclaré clairement quand elle m'a parlé qu'elle n'essayait pas d'appliquer ça à d'autres ressorts puisque cela est du ressort des médecins hygiénistes locaux. La question suivante est posée par Nicole Lampas de CTV News Kitchener. Monsieur le Premier ministre, si les médecins hygiénistes locaux, comme dans la région de Waterloo, de Wellington, Dufferin, Guelph, Halton, demandent à être inscrits sur la liste des points chauds, est-ce que la province l'approuverait? Je donne la parole au docteur Williams. La question est pertinente. Nous avons déjà une rencontre, nous avons informé tous les médecins hygiénistes des mesures qui s'en venaient. Nous avons demandé s'il y a des données ou des informations qui, selon vous, doivent être prises en compte. Et encore une fois, nous avons dit que nous fondons sur les données. Nous avons besoin de ces informations pour conseiller la ministre, le Premier ministre, le cabinet. Donc, nous n'avons pas exclu cette possibilité. Nous avons demandé si cela les intéresse, s'ils l'estiment nécessaire, de nous fournir les données, les statistiques pour démontrer pourquoi il faudrait passer à ce nouveau stade. Nous voudrions en prendre connaissance, la mesure des mesures de santé en prendrait connaissance, présenterait un rapport, une préconisation à la ministre. Mais pour l'instant,
C'est encore très tôt, mais nous avons fait cette demande. Nous allons écouter leurs avis et leurs orientations, tandis qu'ils s'efforcent d'aplanir la courbe dans leur ressort. Avec l'action de grâce, est-ce que vous demandez aux gens de Toronto, de Peel, d'Ottawa, de ne pas visiter les parents dans les régions éloignées comme Waterloo et Guelph et vice-versa? Bon, je vais donner la parole à la ministre de la Santé, mais il faut se rappeler la santé mentale des gens aussi. Savez-vous combien de gens vivent seuls ou peut-être avec un coloc? Et l'action de grâce, bon, ils s'en tiennent à leur cercle social, mais il faut toujours, toujours se rappeler qu'il y a énormément de gens qui vivent seuls. Et donc, leur santé mentale représente toujours un énorme problème. Je donne la parole à la ministre Elliott. Nous demandons aux gens de limiter dans toute la mesure du possible leurs rencontres sociales, de les limiter à la famille immédiate, mais il y a plusieurs personnes qui vivent seules, qui sont en proie à l'isolement. Nous voudrions qu'ils puissent établir un lien avec un autre groupe au niveau de la santé mentale. Donc, nous demandons aux gens d'être raisonnables. Tâchez de limiter vos rencontres sociales à votre famille immédiate. La question suivante est posée par Richard Seven de CTV News. Monsieur le Premier ministre, un suivi sur cette dernière question. Vous parlez de la famille immédiate. Est-ce que cela signifie, par exemple, que je ne devrais pas voir ma mère pour l'action de grâce qui habite en ville, mais pas chez moi? Est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on peut voir nos parents pour l'action de grâce? Je vais donner la parole à la ministre de la Santé. Ce que nous disons, c'est limiter vos cercles sociaux. Ne recevez pas 20-25 personnes, toute la parenté. J'entends bien votre question. Ce que nous voulons empêcher, c'est davantage de transmission en milieu communautaire. Nous voudrions que les gens limitent la taille de leur rassemblement, mais je vais donner la parole au Dr. Heyer et au Dr. Williams pour donner davantage de détails. Dr. Williams et moi travaillons en étroite collaboration. Parfois, il me semble que je finis ses phrases, mais je pense qu'il va rebondir sur mes propos. C'est important. Vous posez la question, est-ce qu'il faut aller voir sa maman? Je crois que tout le monde doit réfléchir soigneusement au lieu dans lequel ils seront, évaluer le risque potentiel, évaluer la possibilité de transmission. Ce que nous entendons dire, c'est que les contacts, lorsqu'un cas positif est signalé, il y a plus de 25 contacts auxquels ils se sont exposés. C'est un nombre très important, c'est beaucoup plus que des interactions considérées et délibérées. Donc, il faut envisager le risque qui se présente dans ce milieu-là. Si vous vous y rendez, prenez toutes les précautions nécessaires pour empêcher toute forme potentielle de transmission. Le Dr. Williams aura peut-être davantage de consignes en plein de la santé publique. Comme d'habitude, le Dr. Heyer a à peu près tout dit. Nous demandons aux gens, en raison de la situation du système à l'heure actuelle, avec la tempête de l'été qui s'en vient, nous avons une conjoncture. Donc, il faut faire preuve de, faut prendre des précautions. Quand nous avons dit foyer, nous avons fait les cercles et les gens, à la fin de l'été, en septembre, ont dilaté les cercles largement au-delà du raisonnable. Donc, l'idée, c'est que vous saviez qui était dans votre groupe, vous saviez que ces personnes n'étaient pas exposées, vous ne vous exposiez pas. Donc, si vous alliez, par exemple, avoir dans votre foyer, vous avez peut-être une relation avec un parent seul, qui vit seul, mais qui est en contact avec vous depuis le début et vous avez maintenu cette protection, il ne s'agit pas d'exposer ce parent. Donc, quand nous avons dit foyer, nous n'avons pas proposé des définitions. Nous savons qu'il y a des personnes seules qui sont au sein d'un groupe de 4-5 amis avec vigilance. Pour ces personnes, c'est très, très important pour des raisons de santé mentale. Donc, nous n'avons pas imposé de définition trop stricte des foyers parce qu'il faut se reconcentrer. On a dit 10, mais les gens peuvent ajouter 10, 20, 30 et là, nous avons un problème. Donc, nous nous disons, choisissez les contacts soigneusement et surtout à cette époque, bon, il y a une tempête d'hiver qui s'en vient, faites attention parce que nous ne voulons pas que nous voulons aplanir la courbe. C'est une autre façon de le faire, même pendant l'action de grâce. Monsieur le Premier ministre, sur une autre question, vous avez parlé
du fait que ça a été difficile pour les bars et restaurants. On a parlé des primes d'assurance qui ont augmenté jusqu'à 700% dans certains cas, ce qui rend presque impossible la continuation des activités de ces bars et restaurants. Est-ce que vous pensez que c'est excessif? Est-ce que vous envisageriez un moratoire? Bonne question. Bon, je ne vais pas encore une fois dire ce que je pense des compagnies d'assurance, tout le monde le sait, mais de multiplier les primes d'assurance par 7, je sais que le ministre des Finances, nous avons eu des discussions approfondies, il a des entretiens avec le bureau des assurances et les grandes compagnies d'assurance. Mais encore une fois, je dis aux compagnies d'assurance, le moment est venu d'aider les gens. Vous gagnez beaucoup d'argent, assurance automobile, domiciliaire, entreprise. Faites-leur des concessions, c'est mon avis. La question suivante est posée par Sean Jeffers de la presse canadienne. Bonjour tout le monde, je voulais poser une question sur les cercles sociaux. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce qui est communiqué aujourd'hui. Le communiqué de presse dit qu'il y a à présent une pause au niveau des cercles sociaux. C'est dans l'ensemble de la province, juste dans les points chauds, ou est-ce que je comprends mal? Okay. Avant de donner la parole à Dr. Williams, bon, j'ai eu un appel de 4 heures avec le groupe parlementaire. Un de mes députés nous a raconté une anecdote. Bon, comme le docteur Williams a dit, quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux aller voir ma mère? On aime beaucoup nos mamans. J'ai pas pu répondre à une question, j'ai été trop ému en parlant de ma mère, mais je m'en excuse. Mais cette anecdote, un de nos députés a dit, une personne travaillait dans une région de la province. Sans le savoir, il a contracté la COVID. Il est allé voir sa mère de 84 ans et maintenant, sa mère de 84 ans est à l'hôpital, atteinte de la COVID. C'était tout à fait par inadvertance. Personne ne le ferait exprès. Tout ce que nous disons, c'est faites attention. Alors, je donne la parole au docteur Williams pour donner des directives claires. Ce qu'il dit, c'est ayez des cercles restreints. Oui, comme le Premier ministre l'a dit, c'est le message clé. Nous avons mis en place les cercles sociaux et pendant cette époque, au mois de juin, avril, bon, mois de mai, juin, cela a été observé soigneusement, mais ensuite, il y a eu beaucoup plus de négligence et un manque d'étanchéité entre les cercles, un manque d'observation. Donc, l'effet des bulles, des cercles a été perdu. Nous voulons ramener la situation, réduire la voilure, l'envergure de la situation. Vous pouvez choisir la situation. La clé, c'est de vous assurer aujourd'hui même, avec le genre de nombre de transmissions, et dans différentes régions de la province, vous devez vous assurer que vous n'avez pas apporté cette maladie, que vous ne la transmettrez pas, que la personne que vous admettrez dans votre foyer, parce que bon, ils utilisent votre salle de bain, ils sont présents dans votre maison, vous devez avoir un engagement mutuel de faire de votre possible. Alors, l'événement dont le Premier ministre a parlé, personne ne veut que voir cela se produire. Jusqu'à ce que nous aplanissions la courbe et que la sécurité revienne, il va falloir qu'on se concentre sur cela. Monsieur le Premier ministre, j'ai une question de mes collègues qui travaillent sur le président Trump, le coronavirus, la ressortie à la population, à la Cela ressortit à la politique. Mais bon, vous avez un collaborateur qui a récemment reçu un résultat positif de test COVID. Pourriez-vous nous parler des mesures que vous et votre personnel prenez pour vous protéger? Est-ce que vous portez des masques pendant vos réunions? Est-ce que le Conseil des ministres se réunit masqué? Bon, vous sillonnez la province. Quelles mesures prenez-vous pour empêcher le risque de propagation? Excellente question. Je vais parler de mon personnel là-bas. Et nous avons resserré le cercle, très très serré. Tout le monde porte des masques, c'est obligatoire. Nous avons réduit au strict, strict minimum, je crois que c'est sans doute moins de 6 personnes ici, qu'on voit constamment ces annonces. Et c'est essentiel. Quant au président Trump et à son épouse, et au vice-président Biden,
Tout le monde sait que j'ai eu mes différends avec le président Trump, mais je ne voudrais pas que cela arrive à mon pire ennemi. Quant au vice-président Biden, au président Trump, je voudrais leur souhaiter un prompt rétablissement. Nous pensons à eux, nous avons nos différences, nos différends politiques, mais il faut les mettre de côté. Je prie pour leur rétablissement à tous. Et encore une fois, peu importe les allégeances politiques. Donc, je souhaite un prompt rétablissement à tout le monde. La question suivante est posée par Rob Ferguson du Toronto Star. Bien sûr, certains vont dire que vos mesures d'aujourd'hui ne vont pas assez loin. Bon, comme je l'ai dit auparavant, la table des mesures de santé de Dr. Williams, on va d'un extrême à l'autre. Je crois que la table des mesures de santé, les consultations dans toute la province qu'elle a menées au Conseil des ministres, au cabinet, le docteur Williams a trouvé un équilibre très juste. Il faut que l'économie continue de tourner. La santé est notre priorité, car sans la santé, nous n'avons pas d'économie. Et je crois qu'il a fait preuve d'un degré de donc, par exemple, pour les restaurants, pour les aider à continuer de fonctionner, la meilleure, comme je l'ai dit l'autre jour, la meilleure façon dont on peut les aider, c'est d'adapter des mesures locales à la situation. Je pense que nous avons été très pragmatiques. J'entends le groupe les Freedom Fighters. Ils se sont présentés chez moi. J'ai toutes sortes de groupes devant chez moi. Écoutez, peu importe. Vous voyez, ce qui me gêne, ce sont mes voisins. Ils ont des enfants. Il y a des Freedom Fighters. Je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais ils sont une centaine. Juste pour vous dire, je ne serai pas chez moi demain. Alors donc, respectez un peu mes voisins. Moi, j'apprécie mes voisins. Je m'excuse envers eux, auprès d'eux, que cela leur arrive. Alors donc, pour passer à présent à la fin des tests sans rendez-vous et à la transition au rendez-vous, quelles mesures sont en place pour s'assurer que les files d'attente, que ce soit au téléphone ou en ligne, pour être testées, ne soient pas aussi longues que les files d'attente physiques dans les centres d'évaluation? Je ne sais pas si les centres prennent des rendez-vous en ligne, mais j'ai entendu dire à la radio ce matin qu'une personne qui est restée en attente au téléphone pendant des heures pour prendre rendez-vous. Avant de donner la parole à Matt Anderson, nous vous demandons un petit peu de patience. Alors, rien n'est pire, alors quand le temps froid arrive, d'être à la file pendant des heures, qu'il fait froid, il neige. Ça donne la certitude et puis aussi, ça aide à rattraper les arriérés, mais encore plus important, cela nous permet d'obtenir le résultat beaucoup plus rapidement. Donc, je vais demander pendant quelques jours, je vous en prie, faites preuve de patience, mais ceci dit, nous testons toujours plus de personnes que quiconque au pays. En fait, plus que l'ensemble du Canada combiné. Matt Anderson derrière moi, je sais que je l'ai dit auparavant, mais il subit davantage de pression que quiconque au niveau des tests. Il joue un rôle essentiel. Je vous ai acheté hier soir, appelé hier soir à 22-23 heures pour vous dire, continuez, vous réussissez très bien, nous vous soutenons. Alors, je lui donne la parole. Bon, Monsieur le Premier ministre, vous êtes plus généreux que de raison, mais merci. Pour répondre à la question, en ce qui concerne ce que nous allons pouvoir faire au niveau des centres d'évaluation, comme le Premier ministre l'a dit, cela nous permet de filtrer, ça assure que les gens ne soient pas en ligne pendant 5 heures pour apprendre à la fin qu'ils ne peuvent pas prendre rendez-vous. Grâce au filtrage, nous allons donner la priorité aux plus vulnérables, aux personnes symptomatiques, assurer qu'elles soient testées plus rapidement.
Lui aussi, c'est un peu contre-intuitif, mais ce qui se produit à l'heure actuelle, avec tellement de gens qui se présentent sans rendez-vous, nous ne sommes pas en mesure de distribuer la charge aussi efficacement que nous le pourrions afin de rendre des, de remettre les résultats des tests. Nous voulons que les gens aient le résultat dès que possible. Donc même s'il semble que si je vais au centre d'évaluation, j'attends quelques heures pour la collecte du spécimen, maintenant je vais attendre jusqu'à demain. Mais en attendant jusqu'à demain, nous allons pouvoir réduire le temps d'analyse. Alors donc vous allez obtenir ce résultat plus rapidement. C'est là notre objectif, de faire en sorte que l'analyse puisse être faite plus rapidement, plus facilement, et que les personnes qui en ont besoin y aient accès. La question suivante est posée par Elizabeth Payne du Ottawa Citizen. Excusez-moi, bon, me voici. Alors ce matin, le médecin hygiéniste déclare que le système de santé est près de l'effondrement. Je me demande si les mesures annoncées aujourd'hui vont assez loin pour faire une différence à Ottawa. Je vais donner la parole au docteur Williams. Bon, je vais faire quelques observations. J'ai demandé au docteur Heyer, parce que nous avons eu des conversations avec la médecin hygiéniste en chef d'Ottawa, en étudiant ces questions de capacité. Les tests dans le secteur hospitalier, pour en revenir à ce que disait M. Anderson, dans les secteurs des soins de longue durée, différents éléments que le Premier ministre a évoqués hier, avant-hier, pour étudier ces questions. Il y a également la question de la gestion des cas, soutien au personnel dans un endroit comme le service de santé publique de Toronto qui s'épuise. Donc, je vais demander au Dr. Heyer d'ajouter quelques commentaires au sujet de la situation à Ottawa. Je vais. Bon, ici, Matt Anderson, je vais faire semblant d'être le docteur 2. Je voudrais simplement compléter les propos du docteur Williams. C'était hier matin, moi-même, le docteur Heyer, le docteur Williams et le sous-ministre Angus avons rencontré les dirigeants du service de santé à Ottawa qui ont préparé un plan pour créer davantage de capacités et soulager réaliser un soulagement de la ville d'Ottawa. Beaucoup de créativité. Comment pouvons-nous créer davantage de capacités immédiatement? Et le sous-ministre Angus met ces mesures en place à l'heure actuelle. Et au niveau des tests, pour en venir à la question précédente, on en revient au concept de rendez-vous. Ça nous permet de. Cela nous permet de transmettre les spécimens aux laboratoires qui peuvent les analyser plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que nous les envoyons au laboratoire local. Mais ce laboratoire a peut-être déjà surchargé. Dans le cas d'Ottawa, il y a eu beaucoup de pression s'exerçant sur nos laboratoires locaux. Grâce au rendez-vous, nous pouvons transférer les spécimens à d'autres laboratoires, à Kingston ou ailleurs, pour réduire un peu le temps d'analyse. Plutôt que d'envoyer l'échantillon à un laboratoire physique, il faut les transmettre au laboratoire qui peut les traiter le plus rapidement possible. Toutes ces mesures sont en place pour soutenir nos collègues d'Ottawa. Ils ont présenté un excellent plan et nous allons les soutenir. Bon, je me demande, on demande aux gens aujourd'hui de limiter les contacts étroits aux membres de leur foyer. Est-ce que c'est un message ambigu quand les bars, les restaurants, les salles de banquet restent ouverts, même avec des plafonds. Je vais donner la parole au docteur Williams. Nous avons mis en place ces recommandations parce que un foyer, c'est environ 6 à 7 personnes. Vous savez qui elles sont, vous les connaissez bien. Souvent, les gens vont au restaurant avec leur famille. Et bon, la distanciation étant maintenue, la même chose dans un banquet ou un événement, nous vous demandons encore une fois de vous asseoir, de porter votre masque si vous vous levez, de vous asseoir
une table de 6. Alors donc il s'agit de limiter le nombre de contacts aux personnes que vous connaissez, de limiter les déplacements et l'exposition. Cela est conforme à cette préconisation et nous espérons que le public va se concentrer sur cet impératif, surtout au cours des 4 semaines à venir, tandis que nous tâchons de maîtriser la situation. La dernière question est posée par Jeff Gray du Globe and Mail. Monsieur le Premier ministre, l'Association des hôpitaux, l'Association des infirmières, le Bureau de santé publique d'Ottawa aujourd'hui ont émis des mises en garde. Est-ce que vous êtes disposé à reconnaître ce que vos critiques disent, c'est que le plan que vous aviez pour la deuxième vague a été dépassé par les événements? Nous ne sommes pas d'accord. Nous travaillons jour et nuit, ce plan est en devenir depuis quelques mois. Parlons de notre plan. Nous mettons en place 5,1 millions de doses de vaccins contre la grippe, plus d'1 milliard de dollars dans les tests, le dépistage des contacts, ce qui est incroyable. 500 millions de dollars dans les secteurs de soins de longue durée. 3 700 travailleurs de la santé supplémentaires engagés. Notre plan fonctionne. Nous testons plus que toutes les autres provinces au pays combinées. Même dans les pressions actuelles, même dans le contexte d'une pénurie de réactifs dans le monde entier, tout le monde se précipite sur les réactifs. En plus des techniciens en laboratoire, que Dieu les bénisse, qui travaillent jour et nuit, je crois que c'est un plan excellent. Je suis reconnaissant d'être soutenu par donc par leur équipe. C'est pas une décision prise par une seule personne ou les 4 personnes derrière moi. C'est une approche d'équipe. Nous consultons, nous coopérons. Et selon mes entretiens avec le gouvernement fédéral et les autres premiers ministres hier, bon, je dois remercier le premier ministre Blaine Higgs qui a dit oui. Il nous manque des réactifs. Mais envoyez-les nous, le premier ministre Stephen McNeill de la Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup pour votre soutien. Le premier ministre Moore, le premier ministre Kenney, tout le monde y met du sien. Je me souviens, lorsque nous manquions de pays, le premier ministre Kenney a envoyé quelques camions ou même un avion pour nous aider. Nous sommes tous Canadiens, nous sommes tous dans la même situation. Et moi, ce que je trouve, c'est tellement facile. Bon, quand on est dans les tranchées, c'est quand on n'est pas dans les tranchées, c'est tellement facile de penser qu'on peut s'en sortir, qu'on est mieux informé. Nous sommes 14 millions de personnes, nous réussissons bien. Est-ce que quelqu'un s'est par exemple, quand nous avions moins de 100 cas, tout le monde pensait que c'était acceptable. Et maintenant, nous devons recommencer comme pour tout le reste. Nous l'avons déjà fait et nous allons le refaire. Avec votre soutien, j'en suis reconnaissant. Pourriez-vous répondre à autre chose que vos critiques affirment depuis quelques semaines? Par critique, j'entends les médecins des soins intensifs. Ils s'inquiètent du fait que le gouvernement n'a pas été transparent quant aux avis scientifiques externes indépendants qu'il reçoit. De quel genre de conseils le gouvernement reçoit-il? Et ensuite, comme le fait d'avoir vu la lettre de la docteure De Villa avec ses mesures qu'elle voulait voir prendre, est-ce que nous ne devrions pas voir les mesures que la table des mesures de santé de Dr. Williams recommande au cabinet avant que ce dernier n'en décide? Est-ce que vous pourriez les publier? Bon, tout d'abord, avant de donner la parole au Dr. Williams, j'ai énormément de respect pour tous les médecins, infirmières. Je les remercie constamment, mais quel que soit le groupe, que ça soit, il y a peut-être des milliers d'excellents médecins au Canada ou toute autre organisation, moi je pourrais en choisir quelqu'un avec lequel il y a un désaccord. Rappelez-vous que nous avons des réunions difficiles au niveau du cabinet du groupe parlementaire. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Nous avons des entretiens très, très approfondis et bon, je peux vous assurer que quand vous avez une réunion du cabinet de 4 heures,
tout est sur la table. Donc nous écoutons, nous collaborons et en définitive, nous allons nous en sortir ensemble. Je vais donner la parole au Dr. Williams. Bon, comme le Premier ministre l'a dit, l'équipe est nombreuse. Si vous considérez les documents, donc est-ce que nous étudions ces documents? Est-ce qu'ils ont été lus par un comité de lecture? Est-ce qu'il y a un groupe de témoins? Est-ce un témoin? Est-ce qu'il y a une table scientifique? Enfin, faire travailler de modélisation avec le Dr. Brown cette semaine, avec Monsieur Anderson, le Dr. Brown et moi-même. Donc, nous avons des spécialistes qui se penchent sur des documents scientifiques. Il y a des réunions fédérales, provinciales, territoriales qui disposent de nombreux défis. Nous attendons donc les données, l'ensemble des données pour évaluer la qualité. D'abord, est-ce qu'il y a eu un comité de lecture? Est-ce qu'il y a du bon sens? Rien n'est exclu. Nous voulons étudier toutes les informations. Parfois, les gens à l'extérieur disent, bon, ben, j'ai lu deux, trois articles, je pense que c'est ceci ou cela. Il faut regarder beaucoup d'autres articles. Ça fait partie de la situation d'ensemble. Comme le Premier ministre l'a dit, nous avons toute une équipe qui nous soutient. Il y a Santé publique Ontario, il y a les facultés de santé publique. J'ai parlé à un autre scientifique hier qui voulait me donner son point de vue. Je suis ouvert à entendre ce qu'il a dit. Encore une fois, je dépends beaucoup, beaucoup de l'examen de toutes ces questions pour revoir et étudier. Donc, nous n'avons pas de parti pris. Et nous allons continuer de suivre l'évolution des données scientifiques, des préconisations scientifiques. Nous sommes toujours heureux de recevoir des recherches plus probantes.